Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Vous êtes sur l'épisode 3 de On visite des endroits extrêmement chers parce qu'on est très curieux. Le premier épisode était sur un yacht qui était resté à quai, qui était dans le sud de la France, dont le prix s'affiche à l'écran. Le deuxième épisode était dans une villa qui était dans le sud de la France, qui valait le prix qui s'affiche à l'écran. Actuellement, nous sommes dans les Alpes. Dans les Alpes, il y a une station qui est plus prestigieuse parmi les autres, c'est Courchevel. Et dans Courchevel, il y a un endroit où c'est encore plus prestigieux, c'est Courchevel 1850. Oui, effectivement. Je pense qu'on a un point de vue immobilier, location pour aller au sport d'hiver. On a derrière nous la location la plus chère du monde. Oui. Sachant que les autres fois, on l'a trouvé quand même qu'il y avait de la richesse, mais un peu de mauvais goût. Oui. Et là, moi, je sais que je suis encerclé de fans de montagne. Donc, je me dis qu'il y aura peut-être un acte d'achat avant la fin de journée par un de vous trois, non? Bah, je crois qu'il y en a un qui a déjà craqué, visiblement. Ouais. Très beau bonnet, j'avais merci, pas vu. Merci, merci. Le prix du mètre carré. C'est un mètre carré? Ça fait à peu près on ça. On visualisait de toute façon, on a été à l'école. Hein. Ouais. Bah, 14 000. 14 000 euros du mètre carré. Le chalet, puisque c'est un chalet, fait 3 000 mètres carrés. Le calcul est simple, ça fait 42 millions, sans compter les œuvres d'art, la déco. Donc, on est plutôt aux alentours de 50 millions en termes d'estimation. 30 000 euros, c'est le prix de la nuit des 24 heures. Oui, bah, il y a une sponsor, quoi, c'est ça que t'es en train de nous dire. C'est ça que j'essaye de. J'ai toujours du mal à l'assumer. Hein. Après des années, cette vidéo est donc sponsorisée par Honkai Impact 3. Oh. Et il y a évidemment une voix off enneigée. Bonjour, capitaine. Comme vous le savez, vous êtes le chef des Valkyries. Et vous devez protéger l'humanité du chaos généré par l'énergie Honkai. Mais bon, ça vous le savez déjà parce que vous jouez régulièrement à Honkai Impact. C'est le RPG à la troisième personne. Dispo gratuitement sur PC et app mobile. Capitaine, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de vous expliquer quelque chose là. Donc je disais, la nouvelle histoire est enfin là. Et ça va avec des nouvelles armures, Herscheur de la finalité et Herscheur de l'origine pour les personnages de Kana et May Raiden. Sans oublier que vous pouvez jouer à l'événement exclusif. Symphonie des vacances animées, c'est pas joli ça? Et c'est pour choper toutes les nouvelles tenues. Ouais, c'est les soldes mon pote. Ah et capitaine, joyeux anniversaire. Honkai Impact Sword fête ses 5 ans. Alors je vous ai fait un petit cadeau. Oh, c'est rien, ça me fait plaisir. Vous êtes deviné, c'est un lien dans la description. Ah, arrêtez, non c'est rien. Il permet de télécharger le jeu et de soutenir cette chaîne YouTube. Et je vous ai mis un petit code personnalisé avec. Ça vous permettra d'obtenir 30 cristaux, 2888 astérites et une carte de Herscheur. Arrêtez, oh c'est trop. Merci Honkai Impact Sword de nous accompagner depuis plusieurs années maintenant. Et c'est parti pour la visite du bien immobilier au Néron. J'ai failli tomber, c'est tout. C'était pas non, bah. On la visite la bicoque. Alors on y va, on y va. On va se retourner, on mettra du déo la prochaine fois. 3, 2, 1. Bienvenue à l'Edelweiss. Moi je suis très déçu là, comme ça, juste comme ça, de ça. Par contre la porte. La porte est très stylée. On a des référentiels de résidence de montagne. Oui. Et du coup ça nous paraît pas si impressionnant. Oui, il n'y a pas tant d'écart. Alors qu'en fait tout ça c'est à nous. Vous savez, pour conduire un yacht à plusieurs dizaines de millions d'euros, il faut un équipage. Tout à fait. Pour piloter un chalet dans une montagne, il faut... Un équipage. Il faut un équipage aussi. Je savais pas, mais il faut un équipage. On a deux majordomes. Waouh. Désolé, ça fait partie du truc, ça peut vous mettre mal à l'aise. Moi sachez que je suis habitué. On rappelle le programme de la journée, on va visiter un cache-cache pour déterminer qui aura la meilleure chambre. Chacun d'entre nous a préparé un petit happening. Moi j'en ai pas. T'en as pas? Il a été annulé, tu nous as dit hier. Ouais. On va en reparler, on fera une petite thérapie. Bah, je risque d'en parler longtemps. Ouais. Oui, oui, okay. Ok. Mais ça me fait rien, moi quand j'ai pas de happening et que tout le monde en a un, ça me pose pas problème. Je suis le genre de personnalité où ça me pose pas problème. Il est pas triste. Putain! Voilà, tu vois quand il hurle. J'ai appris hier matin que c'était annulé. Entrons, messieurs, si vous le voulez bien, dans les Edelweiss. Est-ce qu'on peut parler déjà des plusieurs entrées qu'il y a? Là, il y a une entrée ascenseur qui pourrait monter une voiture. Il y a un ascenseur à voiture. C'est un ascenseur à voiture. Merci pour cette info. Avec plaisir. On a un briquet, j'ai très envie d'allumer cette petite torche. Ah oui, oui, oui. J'espère que vous avez votre temps. Mais moi, j'adore le gars qui a inventé le logiciel de montage parce que alors sinon, on s'emmerderait. Mon happening. Du coup, faut parler fourche longue pour l'ouvrir. Je connais bien mes rêves. Saucisse. J'ai le code. Oh, déjà comme ça là? J'ai un truc à vous dire. Les œuvres d'art que vous verrez à l'intérieur, c'est pas du Ikea. Je me doute. Si vous avez une bonne culture en art, je vais le dire. Je vais le dire. À l'intérieur de ça, il y a un gars qui a aussi donné son nom à une voiture. Le Picasso. Bonjour. Oh bah tiens, il y a Théo depuis le début. Bonjour, à l'intérieur. Théo. Écoutez, la fonction de la première pièce de ce château est incroyable puisqu'il s'agit non pas de l'entrée, mais de la salle à enlevage de chaussures. Comme au bowling. Comme au bowling. Oh là là. Oh oui. Oh, c'est oh oui. Il y a une piscine là, désolé, je l'ai vu. Ah ouais, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je me suis fait opérer de la myopie, j'ai 15 dixièmes à l'œil droit, du coup, je vois qu'il y a une piscine. Cette cage d'escalier est sublime. C'est parfaitement bien agencé, tout est magnifique. Enfin, des gens qui ont du goût. Oui, ouais, 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 là, vraiment.
Faut toujours qu'ils craquent, les mecs. Franchement, ce chalet-là, il est abusé. Autant les autres, je trouvais que c'était m'as-tu vu. Là, c'est abusé. Je suis sûr qu'il y a une boîte de nuit au sous-sol. Ben, c'est abusé. Sur votre gauche, je sais ce que la prod me l'a envoyé en photo avant. Il y a un Salvador Dali qui est là. Voilà, qui est juste là. Oh là là, c'est un Salvador Dali. Tiré de la célèbre série Horloge Molle, du coup. Il y en a deux, il y a deux Salvador Dali. Ah, c'est celui d'à côté aussi là-bas. Je les ai vus au musée, moi. Tu les as vus au musée, bah maintenant c'est le chalet de Del Valle qui l'a. Puis au musée, bah pff, les visiteurs sont comme ça devant un truc vide. À un moment donné, t'as fait un chèque pour payer la nuit, mais t'as dû faire un chèque pour la caution. La caution combien? 9000. Prenez tout, servez-vous. J'ai une vraie question vraiment par rapport à la caution. Est-ce que je peux lui faire la bise à lui? Ah bon, ça oui. Je sais pas. Bonjour. Je sais pas si c'était légal, respectueux et vraiment prudent. Mais c'était agréable. Bon, il y a un Picasso ici. C'est un Picasso ça? Mais c'est du collage ça. C'est pas mon préf. Hein. On a 3000 mètres carrés à faire, on a fait 20. Alors c'est parti. Oh, mais je vais vous laisser me suivre, je vais vous présenter tout de suite l'œuvre qui représente la faille de San Andreas, évidemment. Hein, vous pouvez voir. En vrai, je trouve ça un peu stylé. Je peux lui faire la bise? Cette œuvre, j'ai essayé de la flasher avec mon téléphone et vraiment, il s'est rien passé. Il manque des carrés, même pas le lien quoi. Il y a un ascenseur qui est juste là. La prod nous dit qu'il y a le salon au troisième, qu'il faut commencer par le salon, c'est la pièce principale. Prenons l'ascenseur. C'est oui, c'est oui. Usons-en. Je veux rien faire, je me sens déjà à la maison. Non, mais c'est vrai. Y'a pas quelqu'un pour appuyer sur les boutons? C'est la flemme de le faire. Hein. Ah, attends, y'a une dinguerie. Oh non, mais non, mais non, non, non. Y'a une dinguerie, y'a une dinguerie. Au cache-cache, on va pas déterminer qui a la meilleure chambre. On va déterminer qui va pouvoir appuyer sur le bouton 4. Master Suite. Y'a 7 étages. Découvrons le salon, messieurs, dames. Oh là là. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de mauvais goût ou c'est tout, tout bien? On l'a jusqu'à quand? Bah là, malheureusement, pour 30 000 balles, c'est que 24 heures. 24 heures, je repars pas avant. Hein. Il est quelle heure? Oui, c'est clair. 11h30. Je repars pas demain avant 11h30. Je peux faire la bise à la télé? Oh là là, mais tout est beau. Ah oh, bah tu vois, la télé fait presque tâche. Il y a trop d'infos, la cheminée. Tu peux regarder des deux côtés. J'ai jamais vu ça. Attends, il y a une lampe Salvador Dali. Tu peux pas lui faire la bise, Thomas. Mais par contre, il y a tout. Hein. Ce que vient de faire Yvan, c'est typiquement la raison pour laquelle les musées existent. Pour éviter que les gens fassent ça. Ding, 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 ding. Sur un Salvador Dali. Il y a une certaine vue. Ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a une vue à 360 degrés. Moi, la première information qui me frappe par-dessus toutes les informations de ce salon, c'est qu'il y a dans le salon, il y a trois salons. Il y en a un là, un là et un là. Le vrai truc en trop dans ce salon, c'est nous, c'est nous. Je crois que ce qui me rend le plus heureux depuis le début là, c'est tous les petits trucs à manger là. Ouais. Table à manger. Mais qui est la cible, franchement? Qui a une si grande famille? Oh, c'est beaucoup. Là, le plan de table, il est important. Si t'es à côté de quelqu'un que t'aimes pas trop... On reconstitue peut-être, Thomas, une conversation. Ça va mieux tes hémorroïdes, Maxime? Ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai trouvé une petite crème chez La Roche-Posay. Je m'en suis barbouillé le flon. Un délice. Je voulais te dire, j'ai récemment trompé ma femme. J'espère qu'elle ne sera jamais au courant. Tu peux compter sur moi, je suis une tombe. Merci. Messieurs, j'ai la carte des alcools dans les mains. Hâte ce soir de déguster un Genépi hors d'âge à 48 euros le verre. La caution. Alors c'est un rond de serviette. Oui, bah, il coûtait 9000 euros, c'est le prix de la caution. Alors je suis absolument désolé pour ce que je viens de faire. T'as fait comme ça? J'ai fait genre... T'as fait Avada Kedavra. Et à aucun moment j'avais vu qu'il y avait un rond de serviette parce que je suis désolé de vous le dire, je suis gêné de ce qui vient de se passer. Mais moi j'ai pas de rond de serviette. Voilà, je suis un gars simple. Je suis ok pour qu'il soit retenu sur mon salaire. Je veux pas savoir la somme. C'est Salvador Dali lui-même qui l'a designé. Là, je suis vraiment désolé, franchement. La prof nous a montré du doigt peut-être qu'il y a peut-être une vue. Ah bon. Bon bah c'est les pistes. Hein. Ah bah c'est. Tu sais l'expression au pied des pistes? Oui. Bah là c'est dans les pistes. Qui est cinéphile parmi vous? Toi? Rocky 4. Okay. Non, vous l'avez ou pas? C'était ça le paying? Ok. Là non, là vous êtes de la juste de la merde. Ah c'est froid la neige. Oh non, non, évidence. Non. Bataille de bûche. Les gars, chut, venez, venez. Dans la bataille de neige, pour éviter les coups d'Étienne, je me suis décalé par là. J'ai fait un majordome avec. C'est vrai? Qui me regardait comme... Et il s'est dit, aujourd'hui j'ai pas les pingouins qui glissent le plus loin, aujourd'hui. Il s'est dit... Donc il est là alors. Bon, happening. Pas du tout. Dès que j'ouvre une porte, c'est pas toi qui l'as prévu. Okay. La cuisine, c'est très beau. Hein. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Maxime, enchanté. Vous êtes Fabrice, c'est ça? Etienne. Fabrice. Fabrice, enchanté. Vous êtes majordome ici du coup? Voilà, sur ce chalet. Et du coup, vous êtes toujours sur ce chalet-là? Moi, je bouge pas de la saison. Ouais. Ok, d'accord. Toutes les semaines, vous avez des clients différents. Voilà, une semaine ou deux semaines.
Ok. Pour nous rassurer, est-ce qu'on semble être les pires ou ça va? Les plus normaux, on va dire. Oh moi, Fabrice, je n'ai pas de happening, je voulais vous le dire. Si, si, il a cassé un rond de serviette. J'ai cassé un rond de serviette. Et on est désolé. Tu seras facturé. Mais évidemment, bah, évidemment. Ah, mais non, c'est offert les ronds de serviette. Combien ça coûte un rond de serviette? Ah, bah oui. On dira à Fabrice après pour le Salvador Dali qui est. C'est une blague, c'est une blague. C'est une cuisine de service, donc qui n'est pas complètement là pour faire à manger tous les jours. La vraie cuisine est en bas. Pour servir, pour réchauffer. Voilà. Mais elle est plus équipée et plus grande que n'importe quelle. Ah oui, 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 jamais vu. Hein, c'est juste pour faire du taboulé, d'après monsieur. À partir du moment où il y a un chauffe-assiette, c'est que... Attends, t'as déjà mangé des assiettes froides, toi? Mais quelle vulgarité. C'est pas filmé, le bouton qui est cassé. Hein. Ah, ah, ah là, pas du tout, ça tu coupes au montage. C'est ça le truc qui marche pas dans le chat. Ah, on ferme les yeux, on ferme les yeux. Merci beaucoup, Fabrice, on va se recroiser. Fabrice est adorable. J'ai vu quelque chose, quand même. Juste, je vous conseille de tourner la tête comme ça et de regarder vers le bas. J'ai jamais vu ça. Concours de crachat. Il y a un PNJ en banque. Wow, bah... C'est pas quelqu'un, c'est un vase. Si, vous êtes quelqu'un? C'est quelqu'un? Mais non, c'est pas quelqu'un. Mais bien sûr que si. Non, c'est pas quelqu'un. Ou alors elle est morte. Non, on va passer à la suite. Je pourrais m'arrêter là. Enfin, je veux dire, j'ai suffisamment de contenu. Je suis d'accord. Comme on a énormément de surface à couvrir, alors qu'on est dans un bâtiment à l'intérieur, nous allons nous diviser en deux équipes de deux. Deux qui vont aller en haut visiter la master suite, et deux qui vont aller en bas visiter le reste de l'étage zéro. Et puis ensuite, on se rejoindra pour les dernières dingueries. Bon, vu que je gagne à chaque fois, je vais dans ma suite. Hein. Allez, Étienne. Hey, c'est le premier truc qui est un peu de mauvais goût. Ouais, je dirais beaucoup même, mais... Oui, on est d'accord. C'est un Picasso, ça. Non, c'est un Miro. Ah oui, quand même. Si c'est un Miro, c'est chaud. Je sais pas, moi, je vois rien, je suis... Pour moi, c'était dans des musées, ces trucs-là. Ouais, c'était pas chez un type. On est sur un des étages où il y a les suites. Oh, j'aime bien. Oui. Ça va, j'ai envie de voler des trucs. Ah bah voilà, du Powerhead. Comme les riches, ils aiment bien manger. Oh. Enfin, mon gars. Non, vraiment, il faut résumer le truc, mais juste cet étage, c'est déjà un bien immobilier d'exception. C'est incroyable. Genre là, je sais pas si c'est une penderie ou un hammam. Si tu pousses un peu le chauffage, tu choisis ta chemise dans une ambiance... Par contre, qu'est-ce qu'elles sont humides quand je pars au boulot. C'est pour le personnel. Ah, mais... l'ascenseur de service. Il y a l'ascenseur de service, c'est pour le personnel. C'est là que se cachent les échantillons. Bah, voilà, il y a des petits savons. Bah, on a fait un côté déjà. On passe en face. Ah, une cheminée dans la chambre, c'est un truc aussi, ça. Moi, c'est la conclusion de ces vidéos luxe, c'est que je me suis dit qu'on était des gens plutôt simples, finalement. Ouais. Et là... Là, non, ça donne envie, un peu. Il y a quand même trop de coussins. Bah après, je trouve que du coup, il y a une longueur de lit qui est pas immense, à cause des coussins, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont rajouté ça. J'ai l'impression que c'est un peu plus grand de ce côté. C'est quoi cette chambre là? Bah écoute, moi je sais que si j'ai pas la chambre d'en haut, ouais, je sais où je crèche. On se contentera d'ici. Oui. Je connais des femmes qui commandent des robes de mariée qui sont moins bien que les rideaux. Tu sais l'expression, t'es vraiment habillé comme un rideau aujourd'hui. Bah ça va. Bah franchement, t'es ok. Merci. C'est fou parce que tout est ostentatoire, mais tout est très 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 beau. Y a rien, c'est dommage. Ça doit être pour les cigares ça, un truc comme ça, non? Non, je sais pas. Ou alors pour se protéger pendant les batailles de neige. Oui, c'est ça, ouais, voilà. Fais gaffe sans cristal. Ah, autant pour moi. Moi, pour moi, l'énorme avantage de cette chambre quand même, c'est que quand maman elle regarde maison à vendre, et ben toi tu peux regarder Camping Paradis tranquille. Oh, l'expérience de bouchage. Et tu le remets dans la boîte, tu le casses pas. Non, 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 Fabrice, il me l'offre. Il m'a dit tout à l'heure. Oh, ça, c'est de la bonne literie, mon pote. Oh, quel plaisir. Oh, oh oui. Oh, va bien dormir. Pour 6. Allez, incroyable. Et si tu gagnes le cache-cache, je peux au moins venir prendre la douche. Avec plaisir. On va passer à la salle de bain, quand même. Oh. Ah oui. Waouh. Waouh. Je l'ai mis en mode mousson thaïlandaise. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Il y a plus bretonne, sinon. La douche, elle est encore plus grande ici. La taille de mon appart. La fameuse baignoire sabot, qui est très courante dans les appartements parisiens type T1, studio. Ah bah en vue mer quoi. Parce que oui, ils ont foutu la mer là. Je te trouve très naïf, j'ai soulevé ça à la main. Oui, je sais bien. Alors qu'il y a une chaînette en or massif qui permet globalement de faire le taf. Oh non, la vue, 30 000 balles, tu prends ton bain. Vue sur Michel en face, qui a un plus gros chalet que toi. Sur le local poubelle de Michel. En plus. Petite baignoire. Je me permets, j'enlève pas les chaussons. Allez, bah voilà. On tient vraiment à deux. C'est bon, on va se réaliser ça. C'est un Armorall Migi. Bah c'est un Armorall Migi, mais c'est aussi un Armorall Migi les toilettes, regarde. J'ai jamais vu des toilettes comme ça. D'accord. Oh, c'est les chiottes. On va se prendre... C'est ouvert tout seul. Waouh, waouh, waouh. Il y a beaucoup trop de fonctionnalités pour des toilettes. Ça m'étonne que chez toi, t'es pas ça. Je suis pas ça. Ok. On a fait le tour de la master suite. Moi, je fais une pause crotte dans les toilettes de luxe. Et je vous fais un petit débrief juste après. Galerie. Je sors des toilettes. La cuvette de toilettes, 11 500 euros. Et elle est pas dispo chez le roi Merlin. Ouais, t'as vraiment trouvé. Ouais, ouais. 11 500 euros, la cuvette de toilettes. On passe à la suite. Bon, ben voilà, on a fait l'étage 2. Et on se retrouve au 0 pour la suite de la vie. Alors, c'était comment? Racontez-nous. C'était super. C'est vrai? Il y a une suite quand même qui est quand même pas mal. Elles sont comment vos chiottes? Et je viens de les tester. On va faire un juste prix de la cuvette. Je l'ai googlé, j'ai trouvé le modèle. Ah, vraiment? C'est plus.
Combien? 11 005. Oh, bizarrement, et je sais que ça va en choquer plus d'un, ça valait le coup. Bon bah c'est parti alors. Nous sommes à l'étage 1. Voilà, tu peux aller là? J'ai peur hein. Ah non, bah non, what the... Le local à ski. Arrête. C'est ce qu'on appelle communément la chaufferie. Qu'est-ce que c'est ça, Maxime? Oui, c'est pour mettre les chaussures, pour qu'elles sèchent. En fait, tu fais ça, t'appuies et normalement, ça commence à chauffer. Les gars, oui, vous savez que je vendais les balistos par deux? C'est fou, quoi. Non, okay, vraiment, c'est pas le... C'est mon happening, en fait. Oh, ils ont mis des plans de ski. Donc là, en fait, c'est vraiment l'endroit où tu viens de poser, tu mets tes chaussures de ski, tu t'équipes et tu pars ensuite au ski. Les pistes sont derrière cette porte. Tu sors avec tes chaussures de ski là, paf paf paf, et les pistes sont là. Regarde là. Mais mec, c'est fou. Eh, hey, vous qui descendez, nous on habite ici. Vous verrez si un jour vous avez une ski room. Avant je n'en avais pas, maintenant je ne pourrais plus faire sans. Oh là là là, c'est fou. Et on n'a pas encore vu la boîte de nuit hein. Chers amis, on passe au zéro. On passe au zéro, allez. Attends mec, c'est juste en dessous, sérieux. Oh non. Bon, ok. C'est vulgaire l'escalier. On vient de passer un petit moment dans un ascenseur Otis. Le service commercial d'Otis, quand ils ont appelé, ils ont dit « Oui, bien sûr, on a une offre pour les centres commerciaux. » Alors, c'est ça le Dali, là? Absolument. C'est ça l'histoire? Ouais, ouais. Et ça, les amis, c'est le plus grand vinyle de l'histoire. Ah, absolument. Ah, tellement grand que quand tu passes ton doigt, ça lit la musique. Oui. J'ai dû faire ça, sinon, Maxime. Ah, putain. Et regarde, j'ai une blague. Non, 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 ça marche pas parce que là c'est carré. J'ai une proposition aussi. Ta gueule. Mais il se spoil tout seul. Mais oui, le chien. Les yeux fermés. Allez, on y va. C'est un musée là. C'est une exposition, une galerie d'art. Il y a une galerie d'art. Bah si, je vois, c'est un écran, c'est une salle de cinéma. Et on en a vu des salles de ciné. Rappelez-vous de celle qu'il y avait dans la villa. Ah ouais, c'est excessif cette pièce. Celle-là, elle est largement mieux. Merci, 10 fois 1000. Ah, trop bien, on peut regarder Slam. Les 12 coups de midi. Et 12 coups de midi. Jean-Luc, c'est un ami. Moi, j'aime regarder le dernier Diam Femme Flic. On est au top du top. Je pense qu'on... Bah, regarde ta posture. À quel moment... Eh les gars, on va skier. Non, rien du tout. Hein. En vrai, ce qui est bien, c'est que le jour où t'as pris ta semaine de location et qu'il fait mauvais temps, au moins, tu dis, oh non, on va être obligé de rester au... Oh, zut. Ça va. Bon, bah, chinoche. Bon, bah, piscine et puis l'intégrale des Seigneurs des Anneaux. Il y a une salle café qui est là. Arrête ça tout de suite. Tu peux pas balancer cette info de manière aussi décontractée. Il y a une salle cachée, personne ne dit rien. Mesdames, messieurs, moi, happening. J'ai fait de la récupération. Tu l'as découvert. Tellement drôle. Oh, déçu. Oh, incroyable. C'est la salle des serveurs. Non, c'est un truc de minage de Bitcoin, ça. Allez, ce coup-ci, je me spoil pas. On y va? Allez. Allez. C'est parti. Oh, Mais arrête. Je suis sûr qu'il y a une boîte de nuit au sous-sol. Mais quoi? Oh! Attends, le happening d'Étienne sur l'épisode 1, c'était ça. Là, le happening est inclus. C'est un truc de ouf, genre c'est le top du top. C'est-à-dire que le gars, tu vois un DJ, et bien il y a son matos. Il y a une cascade! Ah, mais normalement, ce genre de vue, tu les as à Center Park. Pas chez toi. Je commence à comprendre pourquoi il n'en avait rien à branler du rond de serviette. Oh là 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 là. C'est bien. Évidemment. Ce que je retiens dans cette vidéo, c'est que c'est important sur YouTube de se sacrifier, de faire des vidéos difficiles pour vous, la commu. Une journée de plus en enfer. On va jouer à 3, ça n'a aucun sens. Allez! Je vous propose un petit billard dansant. Attention, parce que un rond de serviette, c'est pas grand chose, mais oui, ça. C'est débarre. Etienne, il a éteint, il a dit débarre. Il y a 1500 personnes dans la boîte. Bon, bah, débarre. Ouais, il y a une salle de sport. Oh, oh trop bien, il y a une salle de sport. Ah, il va vraiment aller faire du sport. J'ai même pas vu Montaigne. Il y a des lions qui crachent de l'eau. Oh putain, qu'est-ce que ça glisse, le marbre? Chiant. Messieurs, dames, la salle de fitness. Il y a un code, il y a un code. Et c'est marqué dessus, donc ça va. Ah oui, c'est très peu sécurisé. Oh là là, j'adore cet endroit. C'est vraiment mon préféré. Hein. Quelqu'un a une blague sur le band-aid? Cet endroit, que ce soit la version pauvre ou la version riche, mes frères. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de riches qui fassent du sport. Il y a des gens qui le font pour eux. C'est la meilleure bonne. Je vais la mettre dans mon spectacle. Oui. Ipso facto. Fabrice, il fait ça pour toi. Et après, t'es tout transpirant. Toi, t'es aussi noche et t'es là, genre. Bon, on passe à la suite. Y'a pas quelque chose à bouffer, là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Oh non. Tu peux te faire masser, Sarah. Par Fabrice. Attendez, je suis super déçu, le visage sur le mur là. Il crache pas d'eau. Et moi je suis super déçu, j'ai oublié de retirer mon fut. On a le droit de voler ces échantillons là? Parce que la crème pour le pied, je pense qu'elle coûte cher. Vous avez déjà vu un fauteuil comme ça sur roulette? What the fuck. Regardez le porte-gobelet ici, trop marrant.
Bon, fallait bien que ça s'arrête, cette série de bonnes blagues. Allez, on passe aux choses sérieuses. Attends, il y a une empreinte digitale pour aller à la pistoche. Merde, quoi. C'est un truc de ouf. Amixem. Ouh. Wow. Faudrait quand même pas que je me fasse mal aux mains en ouvrant une porte manuellement. Oh là, il y a un bar. Pas envie de sauter, hein. Ah, elle est trop bonne. Après, il y a un jacuzzi. C'est marrant, c'est la première fois qu'on n'a pas de mots. Pas hésiter. Oh la dinguerie. Elle est incroyable. Elle est hyper bonne. Fabrice, viens me sécher. Oui, monsieur. Merci, Fabrice. Encore une fois, on est au summum du luxe. Ouais. On touche pas trop de mauvais goût. Hein. Non. Attends. Non, c'est bon, c'est pas toi le suspect, tu peux y aller. Je trouve pas le coupable, hein. Vous saviez que Kim Kardashian s'était fait blanchir l'anus? C'est fou, ça. Tu rigoles? Oh bah oui, Sona, évidemment, bien sûr. Il y a les deux, hein, Sona et Hammam. Oh, regarde, avec le ciel étoilé. Et on va abréger rapidement la vidéo pour pouvoir profiter de ce lieu. Salut les blaireaux. On va finir, bien sûr, sur ce que Étienne attend depuis le début, à savoir rentrer un Kadjar dans un ascenseur à Lamborghini Urus. Arrête. C'est maintenant. Et madame, faudra penser à bouger, vous allez vous faire à un moment donné une temps limite. On avait tous raison, c'est mis un meuble, mis une dame. Oui. Là, je peux lui faire la bise. De ouf. J'ai eu la procédure pour rentrer la voiture. La procédure? On te suit. Ah, d'habitude, c'est un créneau, la procédure. Vous êtes en peignoir, monsieur? Oh. C'est trop bizarre, cet ascenseur extérieur, là. Ça n'a aucun sens. Je sais pas, c'est vraiment une expérience, là. J'ai jamais pris un ascenseur à voiture. Oh. Attends, mais quoi? Eh, faut pas avoir plus gros qu'un Kadjar, hein? Non. La master suit, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Je vais appeler l'ascenseur. Ah bah fais-le, Yvan, vas-y. Allez, j'appelle. On va au moins deux? Non, ouais. Bon, cinq pour je la sais vue, pas. Non, cinq. Dans le salon, garde-nous dans le salon. On est en train de descendre, là. On sent pas du tout le... Oh. Si on sent. Vous sentez-vous à la maison dans les commentaires? What? Je vais être riche. Attends, ce qui se passe. Ça a aucun rapport avec un parking. Ah non, rien. Oh non, mais c'est un 360. Ah, la table de ping-pong, bien sûr. C'est la piole de Fabrice. Juste garer sa bagnole. Quelle expérience. Séquence suivante. Karine, j'ai pas de happening. J'avais un happening, mais il a été annulé hier. Ça te laisse deux... Messieurs. Qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup d'argent et qu'on n'a pas beaucoup d'amis? On loue des amis? On loue des amis, par exemple. D'accord. On sort dehors? Qu'est-ce que t'as fait? Je vous laisse vous habiller, s'il fait un peu froid quand même. T'es en peignoir, t'es au courant. Quoi? On loue des amis. C'est bon, vous êtes prêts? Allez. On l'a peut-être pas dit, mais c'est le premier happening de la journée, c'est celui d'Yvan. Messieurs. Un bonhomme de neige? Oh non, vraiment. Préparez-vous. Quoi, y a des gens cachés? Y a des boules de neige là. Y a des boules de neige. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une embuscade là? Ah, les bâtards! Ah, les bâtards! Bonjour! Mais ça, y a énormément de monde! Ils sont 12. Vous voulez une photo? J'ai froid aux pieds. Ils veulent pas de photo, ils veulent la guerre. C'est trop une bonne idée. Ah, ils sont touchés. Ils sont beaucoup trop nombreux. Enculé. Allez-y les gars, je sers du rempart, venez vous mettre à l'abri. Vous rentrez les gars, vous rentrez, j'en peux plus. Repliez. Le code. Faites gaffe, ils arrivent. Le code, vite. Regarde, je leur fais des fucks. C'est de la merde comme happening, c'est de la merde, Vaut mieux pas en avoir comme l'autre con que faire ça. C'est qui l'autre con? J'ai regretté rapidement. Au revoir. Ah, c'est fini. Hey, vous nous défoncez pas notre ski room là? Oh. Bon, allez, venez tous, mais vite. Vous êtes prêts pour un speedrun? On fait vite, y'a cet étage. Hein? Allez. Ça va loin. Y en a un qui suit les pieds. On touche pas aux œuvres d'art, j'ai déjà fait. Qui veut aller en boîte de nuit? Allez. On se calme là, sans déconner. Merci beaucoup tout le monde. Vous êtes très beaux. Au revoir les figurants. Ne jamais trop attaché aux figurants. Bonne fin de vacances. Merci beaucoup. Et en fait, je leur ai dit, écoutez, Étienne, Thomas, la vraie vie, c'est pas ça. Tous les jours, on peut pas avoir un jacuzzi dans chaque chambre. On peut pas avoir, comme vous, des gens qui nous aident, des gouvernants, des majordomes. Ce n'est pas la vraie vie. Après ces tournages-là, il faut redescendre d'un étage. Et ça, je me flingue à leur dire. Bon, en tout cas, on ne se connaît pas, mais ça me fait du bien de me décharger sur vous. Vous auriez largement plus votre place au musée Grévin. Ici, c'est bizarre. Alors oui, vous faites enceinte connectée quand je dis, OK Google, il fait quel temps un dimanche? Ce dimanche, il fera toujours aussi froid qu'au nord. Vous répondez, mais ça reste chelou. En fait, dans le magasin, j'avais pas autant l'air d'un mec de la gendarmerie nationale.
Vraiment, je me suis juste dit, le bleu est sympa. En tout cas, sache que moi, j'ai rien fait. Et c'est pas mon happening. Ah ouais, ok, ok. C'est lors du mon happening, en fait. Ah, c'est ton happening. Oui, c'est mon happening. On va se déplacer un peu parce que ça pouvait pas se faire vraiment à portée du chalet. Pas de soucis. Vous me connaissez un peu, voilà. Ça va forcément tourner autour, probablement, d'un véhicule. Bon, on va faire du motoneige. Alors, ça va être bien ou pas? Ça va être ouf. Je vais pas vous dire grand chose, mais en tout cas, ce que je suis persuadé, c'est que vous n'en avez jamais fait. Ah, c'est inédit, quoi. Max, je te connais. Ouais, ouais, y a un mec qui a fait un truc ici, ouais. C'est toi. Ouais. T'en as jamais fait. Putain. Eh ben, on va dans l'espace, allez, go. Voilà, vous allez voir. Allez. Oh, déjà rien que le van, là, s'il vous plaît, déjà. Bon, attendez, ça, c'est un van de course. Et ça fait partie de mon appeling. Je soumets une idée. Randonnée en raquette. Ça c'est pour les fous. Imagine on fait du bobsleigh. Non, réfléchis pas trop parce que tu vas avoir des meilleures idées que le happening de moi. En tout cas, je suis très excité d'essayer ce qu'on va essayer. Oh, gendarmerie, regarde, c'est toi. J'arrive, les coupables. Ça ressemble un peu à ça là. C'est que je viens de les voir. C'est incroyable. Allez, je regarde pas, je regarde pas. Attends, ça a l'air d'être des... Oh, ça va être trop bien. Oh, regardez-moi ces petites dingueries là-bas là. No, ça va pas être trop drôle ça. Ça, c'est bien du Étienne ça. Alors c'est parti. Ouais, c'est let's go. Eh hey, mais attends, pardon, mais si ton happening c'est ça, et que toi ton happening c'était une bataille de boules de neige, mais genre tous les happenings vont être fous. Ouais, c'est clair. Non, tous, genre tous, le niveau tous, il est archi élevé. Surtout que le tien il est avant manger tout ça. Ouais. Mais à minuit quand Thomas il va nous sortir son truc. Merde. Je le sens pas du tout. Qu'est-ce que tu peux être à l'aise? J'ai très peur en fait. Aucun plaisir. Allez, c'est parti. Oh wow. Putain, mais il trace de ouf! Ah ouais, quand même! Ah oh putain! Hey, ça commence déjà! Pourquoi ça slalom, moi? Pourquoi ça slalom? Attends, il nous manque la moitié là! Et Thomas, il s'en sort comme un chef! Il est 0% rassuré! Allez! Ça fait flipper là cette pente là, vous êtes des ouf! Je sens que c'est pas évident à prendre en main! Moi ça va parce que j'ai des facilités! Mais eux, c'est pas leur domaine! Ah, ça tourne plus, c'est cassé! Wouhou! J'arrive pas à me pencher. Oh ça va, t'as cru que t'allais me... C'est ça? Je vais te choper, tu m'entends? Je vais te choper. Oh le nul! Je vais te repasser devant, tu m'entends? Il y a Yvan qui me colle aux fesses. Dans ces moments-là, je suis trop compète. Ça va mon Toto? J'ai peur. Attends, y a une question que je me pose. Quand est-ce que tu m'es passé devant? Je t'ai pas vu faire mec. T'as tracé mec. J'aime pas du tout mon happening. Thomas, je te jure, tu vas pas tomber. Tu te rappelles quand il a mis un serpent sur ses épaules alors qu'il avait peur? Ça. La tête, elle a jamais été aussi près d'un de nous trois. Et bah ça, c'est ton serpent. Fais attention, il y a un lac gelé sur la droite. Allez, vas-y. Allez, le champion. Ciao les nazes. Alors? Yes. Oulala, il me fait peur. Il me fait peur. Il se débrouille comme un chef. En fait, j'arrive pas à le faire. Oh là, Yvan. Tu m'as fait peur. Allez, c'est parti. Pleine balle. Pleine. On s'est cassé. Il est cassé. Ah. Oh, il prend la terre. Oh le bâtard. Bah voilà, après il y en a un qui a fini 3ème au GP Explorer et l'autre qui a fait 16ème hein. Donc forcément à un moment donné ça se ressent. Ouah, c'est vraiment cool. Je suis pas très fort mais c'est vraiment cool. C'est trop drôle. Tu vas me trouver con mais je me rappelle vraiment pas à quel moment tu te mets passé devant. Tu dois aller à une vitesse. Oh la montée. Ah, non je suis bloqué. Coup, il est bloqué. Oh c'est bon. C'est bon, il reprend la patate. Oh putain. Ouais, c'est parti. Oh, je commence à prendre énormément de plaisir, c'est incroyable. Je ne suis pas très à l'aise. Je suis pas très à l'aise, la la la. Oh le con. Sur le circuit du Mans, c'est la même chose. Il fait peur à tout le monde, et après, il n'y a plus de plaisir. Oh, 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 oh. Alors que moi, je fais pas peur aux autres. Je me fais juste peur tout seul. Ah. Merde. Tu vas me trouver bête hein. Mais je me rappelle très bien quand... C'est marrant, je me laisse pas de cette vanne. Ah.
Allez, je rentre au stand. Comme on dirait, on a fait le tour. Hein, je m'arrête plus. Contrairement à Étienne, on pourrait le laisser l'après-midi. Nous, on irait bien retourner à la piscine où il y a des sculptures de l'Antiquité qui crachent de l'eau. Absolument, moi ça me va. Ah, ça va. Comment ils vont? Bah moi j'achète. Hein. Mais le problème c'est qu'il faut aussi j'achète une montagne et là ça devient hors budget. C'était un bon happening. J'ai hâte de voir celui de Thomas. On rentre au chalet. Ah. Depuis ce matin, c'est ça le truc les plus fous. C'est pas ta trottinette là. Et moi, l'happening d'Étienne, il m'a vidé, du coup, je crois que je vais annuler mon happening. On a fait trop de choses c'est aujourd'hui. C'est dommage, la dernière cigarette, bon. Messieurs, dames, vous le savez, au quatrième étage de ce chalet se trouve une pièce qui prend quasiment tout l'étage, c'est la master suite. Et du coup, pour nous départager, pour savoir qui va pouvoir se l'approprier, nous allons faire un cache-cache. C'est très simple, tu es le chercheur, tu arrives à trouver tout le monde en 40 minutes de cherchage, tu remportes la master suite. Si tu ne trouves personne, à ce moment-là, on va faire sur le dernier trouvé qui aura gagné tout simplement. 10 minutes pour se cacher, 40 minutes pour nous trouver. C'est parti. Ah bah voilà, on t'a... Non, je relance. Si, si, si. Me cache dans c'est parti, cheminée, allez, on y va, on enchaîne. Bah voilà, c'est ce qu'elle voulait. Ah vraiment dans les chiottes quoi. Avec toutes ces pièces là, vous aviez pas trouvé un meilleur endroit pour me mettre. Putain, je me l'avais là, Thomas, t'es trop chiant. Ouais. Bah vas-y. C'est grave cool. C'est complètement un T2. T'es de ouf. Moi je suis dans le tinoche. Voilà, c'est bien. Là. Ici, on a un petit assortiment de tout ce qui se fait de meilleur. Qu'est-ce que tu fais? T'as que 10 minutes, hein? Oh, je pense qu'on va partir sur un petit thé vert jasmin. Hein. Et là, on profite. Oh non, c'est chaud! Les toilettes sont chauffées! Oh là, ça en fait des escaliers. Power déodoriseur. Oh, ça aspire mon... Oh! C'est con, mais juste sous la table, en fait. Oh, insane. Merci beaucoup. Oh, 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 oh! Je me fais laver le cul! Ah! J'ai pensé à rester caché dans le hammam ou dans le sauna, mais je me suis dit que 40 minutes, j'allais finir desséché, donc je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Je suis perdu. J'ai envie de faire pipi, toujours faire pipi avant un cache-cache. C'est les chambres, là. Oh. Franchement, dans l'ascenseur de service, c'est un peu fun, hein. La prod me dit que c'est triché. Bon, bah, d'accord. Merde, avec l'inconvénient des trucs chers, c'est que ça laisse pas de place à tout ce qui est trou et tout. Je vais dans le garage. On sèche? Je me fais sécher les fesses. J'ai pensé à la salle secrète du cinéma aussi, en espérant que Étienne ait oublié entre temps. Je suis pas sûr qu'il l'a oublié, mais... C'est bon. Putain. Il est foutu. Il est foutu. On trouvera jamais personne. Attends, c'est quoi ça? Wouah! Voilà, dinguerie la cachette. Moi, je vais au parking, il y avait du bordel dans le parking, je vais essayer de me faire une cachette. Oh, cette dame. Souhaite-moi bonne chance. Oh, j'ai gagné, je vais avoir la Master Suite. Oh, c'est bon, j'ai tout me dégueulasser, mais ça vaut le coup. En plus, je l'ai jamais eu la Master Suite, c'est moi qui paye, jamais je l'ai. Il reste combien de temps? Bon, ça va, il reste 5 minutes, je suis large. Ah putain, ouais, je rentre. Pas l'endroit du confort du chalet. C'est bon, tu peux refermer. Je préfère rester là. Ouais, y'a un truc à faire, hein. À faire le sous-sol en premier, en me disant s'il y a un gars qui a eu la strat d'être le plus loin de moi. Donc je pense que je vais faire ça. Une fois que le sous-sol est bien fait, je remonte directement en 7e, je ratisse le 7e, 6e, 5e, c'est long, hein. Oh putain, 40 minutes va quand même falloir être efficace. Ouais, je vais faire comme cache-cache. Bon bah de toutes les phobies qui existent sur Terre, sachez que je suis pas claustrophobe. C'est le moment où faut que je me dépêche, c'est ça? Ça c'est très mauvais goût, mais je ne comprends pas. Hein. Surprenant, vraiment. Alors oui, j'ai une dégaine bizarre, c'est parce que je me suis trompé pour allumer le phare de la GoPro, donc on dirait que je suis en recherche, mais je suis en recherche au final, donc ça colle plutôt bien. Et là je suis là, je suis juste là, là où vous me voyez. J'espère qu'Étienne va pas me trouver. Donc les chambres, on oublie. Là il y a le bar. Il y a la solution de facilité, un peu quoi. On peut toujours se mettre là. Le temps est contre moi. 7 secondes vivant. Aïe, aïe, aïe. Ah, faut se cacher vite. Hein. Allez, je vais fermer la porte, je vais me cacher là. J'ai ma petite cagette qui est là. Hein. Et puis c'est tea time. 1, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, let's go, on commence par le moins 2. C'est parti pour 40 minutes, mais ça vaut le coup. La master suite, let's go. Est-ce que t'as vu passer quelqu'un? Il y en a 3, il y en a un très grand blond, assez chétif, un plus petit chauve, assez beau gosse, avec une casquette très très stylée, et un autre encore plus petit, très charismatique, et très connu aussi. Si t'as vu quelque chose, je suis preneur. Ça me permettrait de gagner du temps. Bien. Allez, on y va! Alors, en tout cas, il fait super chaud, comme là, j'ai un radiateur, je dois avoir 10 000 watts d'appareil électrique. J'espère que la lumière du garage va s'éteindre, parce que là, on sent que je suis passé par là, ça donne un indice clair à Étienne. Directement, on perd pas de temps, ça s'ouvre pas. Très très con, mais tout de suite! Ça aurait été incroyable! Il y a plein de poussière, là, je vais choper des maladies. C'est
c'est déjà mon 17ème cache-cache sur la chaîne. J'ai eu une enfance très heureuse, mais je pense que j'ai fait plus de cache-cache sur cette chaîne YouTube que durant ma vie. Pas checker cette pièce. Oh, fort potentiel ici. Oh là là, les recoins. Bon, y'a personne ici. J'entends rien. Franchement, j'ai bon espoir qu'il arrive même jamais dans la chambre où je suis. Parce que c'est pas intéressant. C'est une des 8 chambres. C'est plus marrant de se cacher dans le dancing, dans la piscine, mais pas dans la chambre numéro 5 bis. On s'en bat les couilles. Je pense que je vais gagner. Je pense qu'il aura oublié cette pièce et. Y'a trop de pièces! Faut bien que j'ouvre les yeux quand même, parce que là on peut vite louper quelqu'un. Pendant ce temps-là, chez Maxime. J'entends bien un bruit, faut que je fasse gaffe. Putain, je suis trop con à parler fort là. Pendant ce temps-là, chez Thomas. Pendant ce temps-là, chez Yvan. Pendant ce temps-là, chez Étienne. Oh, saloperie de truc. Oh, la saloperie de truc. Oh, je suis trop chaud. Coucou mon Toto, t'es déçu? Non, bah on peut pas gagner à tous les coups. Hein. C'est vrai. J'ai quand même l'impression que c'est pas ma journée. Oh putain! Bon bah voilà Étienne, c'était mon happening. Cette phrase qu'on d'être trouvé en premier. Merci mon Toto. Bon bah j'ai trouvé Thomas, ma stratégie était bonne. Allez, on est bien parti, on est sur un bon rythme. Ok, la preuve vient me dire que Thomas a été trouvé. Et je vais vous faire une confidence sur les deux précédents lieux, la villa et le yacht. On avait genre beaucoup plus de temps pour chercher et j'avais trouvé des cachettes moins bien. Je suis trop content, je mérite la victoire. Oh la douche que je vais prendre. Non c'est pas bien, faut pas célébrer. Sinon après je serai encore plus déçu. Je suis un peu content, je vais pas vous le cacher. On passe au 4ème étage et on va découvrir la master suite en même temps. Il faut que je laisse mes émotions de côté pour être efficace. Hey! J'adore cette toilette. Et pendant ce temps-là, chez Thomas. Je vais faire un cinoche, pas. Oh là là. Au pire, je dors ici ce soir, je m'en bats les couilles. Putain, mais je suis au top là. Oh, derrière la baignoire, sympa. C'est donc ici que je crèche ce soir. On garde ce rythme. Oh, les rideaux, ils sont fluffy, hein. On a envie de s'y cacher. Oh, elle est gigantesque. C'est pas une chambre, c'est un appartement. Allez, on passe à l'étage 3. Et pendant ce temps-là, chez Maxime. Je pense que le seul truc qui peut me griller, c'est que la lumière, elle est trop forte. Je vais me chier dessus quand il va rentrer, je te jure. 30 minutes, ok. Allez, pas de stress. Là, les meubles, c'est pas possible. Allez, on abandonne ce coin-là. On se fait un petit tour du balcon. Oula! Ouh, ça caille. Oh putain. Non. Ben, on a tout fait à cet étage. Pendant ce temps-là, chez Thomas. Putain, je savais pas que j'avais envie de ça dans ma vie, mais j'ai envie de ça dans ma vie. Je condamnerai la chambre du gosse. Dormira dans le salon. La deuxième plus belle suite du chalet, hein, avec dressing intégré. Pendant ce temps-là, chez Maxime. En tout cas, il n'y a pas de fuite. Faut de la baignoire. Ça, c'est un bon point. Mais au moins, je pourrais faire remonter ça à Fabrice. Pas besoin de faire d'entretien de plomberie cette année. Pendant ce temps-là, chez Étienne. Ok, ça se rapproche. Pas de place, là. Impossible. Là, c'est des grands placards, c'est pas mal. Sur les toilettes. Il a pas du tout envisagé la baignoire. Donc ça, je suis plutôt content. Je vous jure, je joue ma vie, je veux cette master suite. Parce que bordel de merde, c'est moi qui ai payé à la fin. Je m'inquiète de pas en avoir trouvé un autre déjà. On a fait cet étage-là au complet. Ah, j'entends la sono. Je pense qu'Étienne est dans le dance floor. Ouais. Oh putain, les placards comme ça, ils sont vraiment golden. Ah, oh, ça commence à être démoralisant. Je sens plus mon pied droit, vraiment. J'ai des fourmis, mais genre délirantes, quoi. Après, franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup d'être amputé du pied droit, mais d'accéder à la master suite au moins une fois dans sa vie. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, je lirai vos commentaires plus tard. Allez, on va faire du stretching. Ça, j'ai mon dos qui me tire un peu en ce moment, hein. Ça me fera pas de mal. 20 minutes. Waouh, ça y est, on a la moitié du temps. Faut qu'on trouve au moins un, là. Je pense que je suis déjà passé devant quelqu'un. Ouais, je suis hardcore. Allez, niveau 0. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher là. Je m'en rends pas compte, il n'y a pas de place pour se cacher en dessous là. Vas-y là, c'est dur. Putain, j'ai trouvé Thomas trop vite. Le cinoche. Ah, c'est. Fallait bien s'occuper. Tu m'as trouvé au bout de 5 minutes. Mec, je suis au top, viens avec moi, arrête de chercher. Tu m'étonnes, t'as l'air bien là. Mais mon gars, mais c'est incroyable. Attends, je me pose 2 secondes. Ok. Tu veux pas ça dans ta vie, mon gars? Si, mais pas. Mais là tout de suite, tu veux une suite de luxe, c'est ça? Ah ouais. Après, j'en ai chier. Non, parce que j'ai le dos qui est un peu bloqué en ce moment, du coup. Ouais, et du coup? Bah, je fais un peu de stretching. T'as pas trop chaud là? Bah, c'est à dire qu'il fait 35 degrés, donc oui, j'ai un peu chaud. Bon, allez, il m'en reste plus qu'un! C'est bon, le trou vivant! C'est ça que j'entendais une voix! Pendant ce temps-là, chez Maxime. Ça capte très mal la Wii.
wifi sous la baignoire. Ça, faut faire attention, le chalet. Je vais le mentionner dans mon commentaire TripAdvisor. Ok, ok, on arrive à un étage et pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'étage spa, sauna, détente. On va commencer par les massages. Ah putain, Maxou, le filou. J'entends plus du tout de mouvement et il se rapproche pas. J'espère vraiment qu'il va pas repasser par là. Vas-y, j'écoute le flot de castor, sinon je stresse trop. Tu regardais un film ? Mais je suis trop bien. C'est la vie, ça. Allez. Oh putain, il en reste plus qu'une pièce, je suis mort. Ouais, il fait une chaleur à crever. Ah, ça aurait été pas mal ici aussi, hein. Mais fallait être déter. Ça devient très long, là. Oh, l'enfoiré, il va avoir la suite. Bon, bah, re-moins un. Faut que j'aille voir au fond de la pièce chaufferie, là. Toi, là, si jamais Maxime est là, tu vas entendre parler de moi. Je vais crever ici, asphyxié derrière une baignoire. J'espère que vous vous rappellerez de moi comme un youtubeur divertissant. Putain, il est pas là. Baisse cachette. Oh non. Qu'est-ce que j'ai loupé. Ah, on se donne. Qu'est-ce que ça peut être. Putain, j'ai tout fouillé, quoi. Il doit jubiler de se dire que je suis déjà passé devant lui. Est-ce qu'on joindrait pas Etienne? Ça va être bientôt la fin, non? Allez, Master Suit, nous voilà. Non, ça j'ai fait. Ah, l'enfoiré, il est fort. Ah, il est fort en cache-cache. Alors, il est caché où, le patron, là? Voilà, mec, j'ai tout ouvert, j'ai tout fouillé. Mais t'es sûr qu'il est là? Non, du tout. Il faut un éclair de génie, là. Je peux pas tout refouiller, pareil. Ah, il est fort, ce con. Il se rapproche. Oh, putain de merde. Je serais dégoûté s'il me trouve maintenant. 2:30. Lâche l'affaire, Etienne. C'est meurt. Ouais, c'est bon, la seconde suit, elle est bien aussi, hein. Ouais, la seconde, je m'en contenterai, c'est sûr. Je suis mort. Ça va te jouer, y'a pas grand chose. Ouais, je recherche. Non, ça va pas ce que je fais, Ça va pas ce que je fais. T'as regardé à tous les étages? La question de connard. Putain, il reste presque pas de temps, je vais peut-être gagner. Petit enfoiré! L'entrée, j'ai pas fait l'entrée. Putain, il reste quelques secondes. Y'a quoi l'entrée? Y'a rien. J'ai plus rien! Combien de temps? Maxime! C'est bien deuxième, hein. Regarde, l'année dernière, le deuxième de Ligue 1. J'ai plus qui c'était, mais bon. Le petit enfoiré. Il est où le patron? Let's go! Vas-y, reparle. C'est bon, t'as gagné, Max. Ah, il est là, je suis sûr. Oh putain, s'il est là dans la baignoire. What the fuck? Oui? Mais y a pas de place, là, pour un être humain. Je confirme. T'as gagné une master suit. Oh, j'ai pas rechecké là. C'est dans cette pièce. Oh, il est fort. Wow. Let's go. Yes. Pour une fois que je paye une chambre, je vais pouvoir aller dedans. C'est quoi le bilan, monsieur? Ça sera un joint de culasse? Il a fini de me la ramener, ma cheminée. T'as dû jubiler quand t'as trouvé la cachette. Ah ouais, j'avais gagné dans ma tête. Ah ouais, non mais tu l'as mérité, hein. Ah ouais, non mais... Oh. Et tu vois la planche découpée, là? Ouais. C'est mon happening. Cool. Dis-moi merci. Avec plaisir. T'es passé si près. Bah oui, hein. J'ai la master suite. Et vous allez dormir dans des suites normales avec juste une salle de bain, une douche et un lit double king size. Bouh. Mais tu sais, on s'est habitué au non-luxe, hein. Hier soir, on était dans un 4 étoiles. Je vous propose qu'on fasse une petite pause et qu'on se retrouve pour moi. Allez. Allez-y. Bonsoir à tous les enfants. Bonsoir papa. Ce soir, vous allez assister à mon happening, l'avant-dernier de la série. Non, le dernier, du coup. Ah bon? Bah moi, j'ai peut-être oublié de vous le dire, mais j'ai pas de... Vraiment, d'un point de vue watch time, restez, parce qu'il y en a encore un après. Non, les danseurs savoyards ont annulé. Ah non. C'est eux. Non, mais je vais faire une initiation à la danse savoyarde. Et la troupe a jamais répondu. C'est pas vrai. Si. Non. C'était des danseurs savoyards. C'est marrant, mais à l'ego, l'accordéoniste, je n'ai jamais venu. Danseurs savoyards, ça va les arts du spectacle? J'essaye de vous aider avec vos danses pourries, là. Regardez, extrait. Ça avait l'air bien, hein. Ça avait l'air vachement bien. Non, c'est jamais sur YouTube, on comprend pourquoi. Oh non, quel dommage. Bon, on va tout de suite se diriger vers mon happening. Donc, bah, on y va en van. On va escalader une petite colline, je vous le dis. L'escalade de la colline va se passer les yeux fermés. Donc, à la queue leu-leu, vous inquiétez pas, tout va se dérouler comme il faut. Il y a éventuellement un ravin de part et d'autre, mais vous me mettez la main sur l'épaule du gars qui a devant et tout ira bien. Ça commence à me faire flipper. C'est bon pour tout le monde? Allez. Ok, c'est parti. Hey, tu vas pas vers le bon endroit là. Mais non, il nous fait faire un... Il nous fait faire il des... des feintes. Il fait faire des zigzags. Il fait du hors-piste là. Hey, j'ai vu le chemin avant, il était plat, Maxime, t'abuses. En tout cas, moi, sachez que je viens d'une France où on danse la chenille. Oh. Oui, là, d'accord, Maxime, c'est bon. Si c'est de la danse savoyarde, je pète un câble. C'est une randonnée les yeux bandés, c'est ça. Parce qu'on voit pas trop le paysage, du coup, ça enlève tout le fun. Mais c'est quoi la petite de la vidéo, la pire journée de Thomas? En plus, on filme tout ce qu'on fait, on peut jamais être tranquille. Oh, c'est long. C'est long de ouf. Putain. Ok, ok. Tiens-moi ça. J'ai entendu un bruit. Là, c'est familier pour l'instant. Là. Ça me rassure, c'est des sensations que je connais.
Oh. C'est pas possible, une vidéo ne peut pas se finir sans ruinard. Ouais, j'ai pas besoin de me débander les yeux pour boire. Déjà, est-ce que vous me faites confiance, buvez? C'est toi qui l'as fait, non? Alors, messieurs, voici le programme. Vous allez pouvoir enlever vos masques. Oui. Et une fois que vous l'aurez fait, l'un d'entre vous pourra dire le mot-clé qui s'intitule « Je vis dans l'opulence !» D'accord. Enlevez vos masques. J'ai une télécommande ici. Non. Car? Non. Non. Et je vais faire péter Courchevel. Non, c'est lui qui l'a fait. Non. Non. Ça y est, j'ai vu. Je vis dans l'opulence. Allez, hein. Ouais, connard. C'était complètement le but. C'est le mot. Elle est 8 millions. Elle est 8 millions. Elle est 8 millions. On est désolé, hein. Pardon. Ah, je voulais être sûr que tout Courchevel sache qu'on est là. Oh là là. C'est quand même toujours sympa. Oh Maxime, putain. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Oh, je peux profiter de mon anniversaire, oui. Rassure-moi, ouais. Il y a des artificiers dans ton équipe. En réalité, c'est directement connecté à mon compte en banque. Si je dis pas d'arrêter, ça y va, ça y va. Bravo. Bravo. Un plaisir, hein. Joyeux 8 millions. Ah, j'ai passé un moment, mais j'ai pas compris. Même à ton mariage, y'avait moins, non? Oh oui, y'avait pas. Vous voulez récupérer les lettres? Oh, je pense. Bah, tu les colles sur la Redbox et paf. Mais tous les matins, hein. Vous vous mettez dans la cour. Le moi du feu d'artifice. Il y a un lever de drapeau avec ma tronche dessus. Maintenant qu'on a vu tout ça. À toi de jouer, bonhomme. Putain, mais qu'est-ce que tu nous as préparé, quoi? Il espère avoir une idée de génie avant la fin. Je cherche, je creuse. À part foutre le feu à la baraque, j'ai rien. Voilà, c'est Fabrice, c'est à poil, bon. Et maintenant, apéro. Pour happening de Thomas. C'était un moment magnifique de ma vie. Vraiment, c'était somptueux, vraiment. Mais il était insane. Mais c'est celui de mon village, c'est de la merde à côté de ça, là. Et transition ruinard. Bienvenue au traditionnel repas de fin de vidéo de luxe. Je suis doux qu'on est bourré. Ah oui, oui, ah oui, ah oui. C'est pas vrai. Le petit couscous. Le petit couscous. Fabrice, la punch, elle est bien. Mais dis-le que c'est ton happening, on est content. J'aurais adoré. C'est l'appareil à raclette le plus stylax que j'ai vu de ma vie entière. Je suis pas sûr d'avoir déjà fait une raclette comme ça. C'est un délice. Le problème, pour être honnête avec les gens, c'est qu'on tourne cette vidéo et demain, on tourne 24 heures de survie. Et du coup, on va se taper 24 heures de survie avec ça dans le bide. Et ça, tu vas vraiment regretter. Vu que le fromage est un peu long à fondre, la danse savoyarde, tout était vrai. Du coup, on va me rattraper. Ouais, quoi? Je me suis dit que j'allais vous faire des petits cadeaux savoyards. Oh. Donc voici mon happening. Non, j'y crois pas. Quoi? C'est rien du tout, hein. Il va prendre des trucs. Hein. Est-ce qu'il nous braine depuis le début de la vidéo? Et en fait, il a le meilleur happening de toute la vie. Et il me flingue, là. Franchement, imagine, il y a des danseurs qui sortent. Mais je sais plus, là. Tout est possible. Donc un fromage savoyard. Ça, c'est celui d'Yvan. Merci. Et de Étienne. Merci. Évidemment. Hein. Le patron en dernier, vous me comprendrez. Ah, oui. Pour Maxime, qui va ramener à la maison. T'as des intérêts derrière, non? Voyez-y une préférence, hein. Ensuite, ils vont pas se couper tout seuls, les fromages. Ah oh non, le chien. Oh, c'est un tout petit Opinel. Merci, c'est Thomas. Un tout petit Opinel. Bon, je crois que vous avez compris le gag, mais on va pas s'arrêter en si bon chemin. Oh, non. Un petit vin savoyard à 320 euros. Alors, si c'est pour Yvan, je veux pas savoir la mienne. Ça aurait été très drôle que tu leur mettes ça, mais moi j'ai un truc comme ça. Il a les trucs de l'avion. Vous. Merci, mon Thomas. Voyez-y un message. Il m'épuise. Un petit turbochon. Ah non, c'est un magnète. Oh là là. Donc toi, tu vas revenir avec une girouette. Non, ça sera le frigo. C'est une planche à découper presque. Courchevel. Ça va prendre trop de place sur mon frigo. Ouais, un peu ça. Les garçons. C'est quoi? Tu m'as ramené quoi, moi, une mandoline? Une cloche. Je sais pas pourquoi je ferais ça. Ce serait toujours la même blague. Oh, regarde à quoi ça ressemble. Maman, tu la vois là? Et voilà. Insupportable. Non, mais c'est possible d'acheter ça. Comme ça, on sait où elle est, Madeleine. J'ai demandé au vendeur, ça peut aussi s'accrocher au tridili. Oui.
et j'ai plus rien en fait. Ah ouais, merci. Bon rattrapage. Ouais, très bon rattrapage de la part de Thomas Deuzer. À 2012, il s'est pas foutu de ta gueule. Hein. Non, mais incroyable. C'est rien, c'est ton argent. Ah, oui. Bah merci alors. Quand vous voulez manger, ben vous le rapprochez tout simplement. Ok. Le premier, si vous voulez, je vous montre. Ouais. Alors, première assiette. Moi. Allez. J'ai hâte de voir la panique de Thomas quand même. Merci beaucoup, Fabrice. J'ai oublié de dire le prix de la meule. À votre avis, tiens. 150 euros. Ah, c'est le jeu le plus court de ma chaîne. Mais non, mais tu te sers dans ton assiette, normalement. Mais qu'est-ce qu'il fait tienne, là. Mais non, là, tu vois, Fabrice rigole. De tous les clients qu'il y a, j'ai jamais vu ça. Après, c'est un oligarque des Deux-Sèvres. Ouais. Bah, voilà un bon réclame. Ah, c'est vrai merci. Qu'on a toujours dit ça sur Yvan, et ça depuis le début. Attends, alors là... Mais lui, il coupe, c'est pas du tout... Mais c'est un très mauvais racleur, là, pour le coup. En plus, t'as fait ça de côté, regarde comment on fait pour faire que le reste. Oh, ça va, tu veux un niveau? Oui. On me file de la viande des grisons, là. Tu te lèves, connard. C'est la best raclette que j'ai jamais mangée. Oh, Fabrice, le chalet, c'était de la merde, mais la raclette. Moi, je propose deux choses, Maxime. La première, c'est qu'on engage Fabrice pour la Redbox. Ça, c'est oui. La deuxième, c'est que on souffle une petite bouteille de Genepi hors d'âge à la fin du repas. Oh, putain. Bon, bah alors, d'accord. Bon, les gars, je vais commencer à lancer un sujet. Est-ce que je veux démissionner? Ouh, bah ça, on sait que ça va plus durer longtemps. Hein. On voit plus au Video React. On a fait la villa, on a fait le yacht. On est arrivé ici en se disant, c'est juste la même chose, version neige, version sport d'hiver. Et en fait, à quelques endroits du chalet, ou voire tous les endroits, on provoquait cette réaction chez nous, à savoir, oh putain, je veux ça en fait, fais chier. Ah ouais. À chaque fois, on se disait, si on avait budget limité, est-ce que ça vaudrait le coup? Que ce soit sur la villa ou sur l'autre, on a dit, non, il y a des meilleurs investissements à faire. Moi, pour mettre un bémol, et je me permets de mettre un bémol, tu peux le faire en plus petit ce truc, parce que nettoyer les commodités, ça doit être long. Sincèrement, là, demain, tu supprimes un étage, je m'en rends même pas compte. Alors, bien sûr, à la question, je suis Mister Beast et je vous offre l'un des trois lieux luxueux que nous avons visités dans cette série. Lequel choisissez-vous? Le plus cher, je le revends. C'est la première réponse. La deuxième, le chalet. Ok. Ah, le chalet. Direct. Et toi? Bon, la stratégie de le plus cher, je le revends, c'est évidemment ça, mais je vais pas dire pareil parce que j'ai un peu de personnalité. Je prends le plus cher et je le revends. J'hésite entre acheter le yacht et en faire un bateau d'aventure pour explorer le monde, tu vois. Est-ce que c'est possible? Je pense pas, du coup je le revends et j'achète un truc d'aventure. Sinon, vas-y, le chalet en fait, c'est tout. Oh la vache! Je m'en relèverai jamais de celle-là. Oh, oh, oh là là, demain, tant pis, on fera une react et puis voilà. Ah, j'ai deux couteaux, je suis un riche, j'ai trop de problèmes. Et ça, Wolverine là? Ah bah alors demandez comme ça Fabrice avec plaisir. C'est son nom de famille. Maxime Duvent. Bon le match de Lens va commencer, je vais aller chercher mon téléphone. Par rapport à mon deuxième happening, on attend que tout le monde ait fini puis les gars du cron on va aller en cuisine. Ok. Et le mec il dit qu'il a pas d'happening toute la journée, en fait il en a deux quoi. Non y a, là c'est un happening collectif. Oui bon bah c'est un gâteau avec mes lettres à mixer à mon feu, ça va. Avec le truc pour les 8 millions. Pourquoi je l'ai dit? C'est ça? Oui. Je l'ai dit du coup. Un peu gâché la surprise, non? Non c'est pas ça. Si si c'est sûr. Je le connais, c'est sûr. C'est ça. Ah les compos sont tombés. Franchement, ce gars, tu peux pas le suivre en fait. Franchement, vous pensez que vous aimeriez bien être pote avec Thomas Deuzer? Vous aimeriez pas être pote avec Thomas Deuzer? Il passe pas du coq à l'âne, il passe du coq à l'âne. Comment c'est à quelle heure le match là? Bon, on va finir sur un génep et puis au lit. Non, il y a la surprise du gâteau des 8 millions. Ah bah oui, c'est vrai. L'happening là, ça te fait pas plaisir, je comprends pas. Je l'ai pas vu moi-même, hein, ça reste une surprise. Mais je suis pas à l'aise avec le concept de surprise. Si jamais quand il faut le dire et pas le dire. Eh ben il faut le dire quand c'est passé, quand le gâteau est arrivé. Par exemple, la surprise de feu d'artifice avec un mixeur en feu. Tu le dis après. Bah c'est des codes sociaux simples. J'aurais trop dû arriver au début du repas avec le gâteau des 8 millions. Ah merde. Le match a commencé, je veux plus vous parler. Je préfère avec le son. Pour empêcher au Lensois de poser le jeu. Thibaut a parlé, on lui a laissé le ballon. C'est aucun effort pour qu'on soit pote avec lui. Je suis pas sûr. Tu suis le foot, Fabrice? Ouais, c'est bien, t'as raison. Le happening? Oh, qu'est-ce que ça fait? Bonne portée à 3. Comme ça fait longtemps que j'ai appris la nouvelle, j'ai eu le temps de process l'information et d'être moins ému. Alors, à part s'il y a des danseurs et des trompettistes, mais sinon, je vais être moins ému. Il est pas si beau que ça. En plus! Il y a des bougies. Bah oui, j'imagine. Merci, les infos exclues, hein. On te rappellera. Si c'est un gâteau yaourt avec deux bougies, je pète un plomb! Ah là là, c'est les 8 millions, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions, 8 millions, 8 millions. Souffle 8. Bravo les gars! Eh ben vous avez pas à me croire, mais je m'en doutais! Super l'happening, y'a combien? Toujours 0-0. 8 millions donc, hein? T'as vu, je suis. Allez! Merci mec, il verra rien, de toute façon il est myope.
Tiens. Merci. 15 dixièmes, hein, je l'ai vu, la pomme de pin. Vous êtes prêt pour mon troisième happening? Allez. Oh bah oui. Ça aurait été fou quand même, j'en ai 10 quoi. Ah ouais. Vraiment, à 3h du matin, on n'a pas fini. Messieurs, voici le Genepi. À mon avis, pas dégueu, parce qu'il est offert par Fabou. Et j'ai adoré la manière qu'il a eu de nous le vendre, à savoir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est offert par Fabou, ça les a tués de rire. C'est Fabou, Fabou, c'est un ami. On va. Oh, ah, très belle bouteille. Hors d'âge. Je m'attendais pas à ça, mais le Genepi, ça tape. J'ai oublié, en venant ici, de ramener mon bain de bouche. Pas besoin. C'est vraiment du Saint-Ol. Il est plus rondelet. Ouais. Il va plus droit au but, quoi. Plus de caractère, tu veux dire. Là, il est hors jeu, là. Enfin, là, je parle de. Ouais, d'accord. T'arrives à faire des vannes, ça connaît. Un mec qui fait des liens entre le foot et le Genepi. Je saigne du nez, hein, les viewers. Je fais des trucs chelous, mais je saigne du nez, c'est tout. Mais c'est peut-être le snow scoot électrique, non? T'es trop vite. Votre youtubeur préféré à part Amixem? Moi c'est Amixem. Oh, c'est une question intéressante. Putain, mais ouais, non, mais off, ouais, j'ai pas de préféré, mais faut te dire du moment, tu vois. Ah, c'est sûr que t'es en anglais? Johnny Harris. C'est ultra inspirant ce qu'il fait. Genre vraiment, genre, je trouve ça incroyable. Il y a une chaîne qu'on a en commun tous deux, c'est Yes Theory. Yes Theory. Très, très, ouais, très ouais, ouais, de... Not Serious. Not Serious? Yes. Alors lui doit être fun. Il fait en fait des reviews de nanar et avec un humour aiguisé. Il y a un sens du montage et de la réal qui sont vraiment un peu uniques. D'autres youtubeurs fav? La chaîne officielle du Racing Club de Lens. Il y a tous les résumés des matchs, avec toutes les actions. Je vais citer deux personnes. Le grand JD est une personne quand même que je pense qui est relativement appréciée sur la plateforme. C'est un super être humain. Sinon, je vais sortir une petite pépite comme ça que ouais. Je regarde de son sens. Il y a Nico Mathieu qui fait des aventures en solo. Il a une aventure où il a traversé en kayak une partie de l'Amazonie. C'est vraiment très très cool, très reposant à regarder. Sympa le Genepi. Hein. Il en veut. Il est super bon, j'en veux 12 fois. Il y a combien? Toujours 0-0. Bon, messieurs, dames, c'est la fin. Un score nul et vierge, finalement. C'est la fin. Personne n'a ouvert la marque. Ah, là, je parlais. Aussi appelé le match nul. Tu as deux doigts de faire un vocal à Justine pour dire tu me le vires. Devant lui, vraiment pas. Bah, c'est dire la surprise avant. Ah oui, tu l'as mérité. J'apprends pas de tes erreurs. C'est pas fini encore la vidéo, là? Attends, ferme ta gueule. Là, c'est plus clair. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de nous faire une outro demain pour vous prouver qu'on a dormi ici? Autant des fois qu'on a construit, par exemple, quelque chose de très inconfortable, il faut vous prouver qu'on a réussi le défi. Mais là, c'est pas compliqué quand même. 30 000 euros la nuit, évidemment qu'on va rester. Bah, je n'ai qu'une suite classique, ça m'emmerde. C'est le dernier épisode de cette série fabuleuse, malheureusement. Non. Non, il a pas cherché au cache-cache. Ouais, c'est ça. Trop dommage. Eh bien, vous m'envoyez ravi. Je sais pas si ce sera le prochain épisode, mais un des prochains épisodes sera. À bientôt pour une prochaine vidéo. Non, tu te dis, c'est du pire. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci infiniment à Honkai Impact Serd d'avoir sponsorisé ce vidéogramme. Le lien de téléchargement est dans la description. C'est un lien direct pour soutenir la chaîne et surtout pour nous permettre d'acheter des biens de luxe. Buscavida. Non, mais le happening de Thomas, c'est quand? Ah oui, tiens. Bon, allez, je vous fais mon happening. Ah allez. Oh.